et bienvenue sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe point qui s'appelle yeux de hibou. Donc je pense que à travers ce point, vous pouvez vous rendre compte pourquoi il porte ce nom. Donc c'est un point vraiment assez simple à réaliser. Je pense que même si vous êtes débutant, vous pouvez totalement y arriver. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez aimé ce point, si vous avez eu la facilité ou non à le réaliser. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification puisque c'est ce qui va vous permettre de recevoir les alertes lorsque je publie. Sur ce, nous allons pouvoir passer au tutoriel. Donc pour commencer, il va falloir monter un nombre de mailles multiple de 8 plus 3. Donc c'est très simple puisque vous montez vos mailles 8 par 8 et vous terminez par 3 mailles supplémentaires. Et je finis par mes 3 mailles supplémentaires. Donc pour le premier rang, on va commencer par venir faire une maille serrée dans la troisième maille en l'air de départ. Donc vous les comptez, 1, 2 et 3. Dans la troisième, je pique et je fais une maille serrée. Et à partir de maintenant, ça va être toute la séquence à respecter jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en l'air, 1 et 2, je vais venir sauter 3 mailles, donc 1, 2, 3, dans la quatrième, je pique et je fais une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et exactement au même endroit, je pique et je fais une deuxième bride. Et là, on va simplement répéter une maille serrée suivie de 2 brides dans une même maille. Toujours de la même façon. 2 mailles en l'air. Je saute 3 mailles. 1, 2 et 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Deux mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, une bride. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et au même endroit, une deuxième bride. Et on continue toute cette séquence jusqu'à la fin du rang. Et bien sûr, on va terminer le rang par une maille serrée sur la dernière maille. On continue. Donc là, j'arrive à la fin. Donc je n'oublie pas mes 2 mailles en l'air de séparation. Et sur la dernière maille, donc je saute bien 1, 2, 3 mailles. Et sur la dernière, je finis par une maille serrée. Donc pour le premier rang, voilà ce qu'on obtient. Je tourne. Pour le rang numéro 2, je commence par lever mon rang avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais passer directement sur le motif ici. Donc là où on a une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Donc on va venir travailler dans un premier temps autour de la première bride. Donc sur cette bride, je vais venir faire 5 brides sans les terminer. Donc je vais vous montrer. Un jeté, je passe autour de ma bride. Je ressors mon fil une fois. Un jeté, je passe autour de ma bride. Je ressors mon fil deux fois. Un jeté, je passe autour de ma bride. Je ressors mon fil 3 fois. Un jeté, je passe autour de ma bride. Je ressors mon fil 4 fois. Et là, on le fait une dernière fois. Un jeté, je passe autour de ma bride. Je ressors mon fil 5 fois.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est un jeté et passer dans les deux premières boucles. Je passe dans mes deux premières boucles. Et là, quatre fois, on va passer dans trois boucles. Donc dans la première qui s'est formée ici, suivie de deux sur le crochet. Donc un jeté, je passe dans trois boucles. Donc une fois. Un jeté, je passe dans trois boucles. Une deuxième fois. Un jeté, je passe dans trois boucles. Et une quatrième fois. Un jeté, je passe dans trois boucles. Et je termine, comme j'ai commencé, par un jeté et je passe dans mes deux boucles. Donc voilà ce qu'on obtient. On va revenir entre nos brides. Donc là, on a entouré une première bride. On a nos trois mailles en l'air. Dans les trois mailles en l'air, je vais faire trois brides autour. Une, deux et trois. Une maille en l'air de séparation et toujours au même endroit, trois brides. Une, deux et trois. Et là, sur la deuxième bride qu'on a au même endroit, je vais faire la même chose qu'ici. Donc je vais faire mes 5 brides sans terminer. Donc un jeté, je passe autour. Une fois. Un jeté, je passe autour. Deux fois. Un jeté, je passe autour. Trois fois. Un jeté, je passe autour. Quatre fois. Un jeté, je passe autour. Cinq fois. Un jeté, je passe dans deux boucles. Un jeté, je passe dans trois boucles, quatre fois d'affilée. Donc, une fois. Un jeté, je passe dans trois boucles, deux fois. Un jeté, je passe dans trois boucles, trois fois. Un jeté, je passe dans trois boucles, quatre fois. Un jeté, je passe dans mes deux boucles. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on a un œil de hibou qui s'est formé. Et là, en fait, on va toujours répéter la même chose. Donc, un motif. Et ensuite, sur la maille serrée, eh bien, on fait simplement une bride. On arrive sur le motif de bride, 3 mailles en l'air bride. Et bien on va répéter exactement ce qu'on vient de faire ici. Vous réalisez votre motif, ensuite sur la maille serrée une bride, et ainsi de suite jusqu'à arriver jusqu'à la maille serrée de fin de rang. Donc vous continuez exactement de cette façon jusqu'à la fin. Donc là, j'ai terminé mon dernier motif et je vais simplement terminer par faire une bride sur la dernière maille serrée du rang. Donc je pique sur ma maille serrée et je fais ma bride. Donc voilà ce qu'on obtient pour le deuxième rang. Pour le troisième rang, vous tournez. On va commencer par lever 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc en fait, nos 5 mailles en l'air, ça correspond à une bride plus 2 mailles en l'air de séparation. Et exactement au même endroit, eh bien, je vais réaliser une deuxième bride.
deux mailles en l'air de séparation, une et deux. Et maintenant au centre du motif central, donc là on a nos trois brides, une maille en l'air, trois brides, on pique à l'intérieur, donc au milieu, et on fait une maille serrée. Deux mailles en l'air de séparation. Sur la bride centrale, entre les motifs, eh bien, on va réaliser une bride, trois mailles en l'air de séparation, une bride. Donc surtout, ne vous trompez pas, piquez vraiment au bon endroit. Donc si vous avez un doute, vous tournez et vous voyez bien que votre maille de la bride se trouve ici. D'accord ? Donc quand vous tournez, ce n'est pas cette maille, mais c'est bien celle-ci. Donc là, on pique et on fait une bride. Trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et une bride au même endroit. Et là, on va continuer comme ça. On va alterner une maille serrée au centre des motifs et une bride, trois mailles en l'air, une bride sur la bride centrale. On continue comme ça jusqu'à la fin. Deux mailles en l'air de séparation. Je pique au centre. Une maille serrée. Deux mailles en l'air. Sur ma bride, je pique. Une bride. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et toujours sur la bride, une bride. Et on va terminer exactement comme on a commencé, donc par une bride, deux mailles en l'air de séparation et une bride au même endroit. Donc ici, vous avez la première bride du rang précédent et juste à côté, en fait, on va piquer dans la maille en l'air. Donc, je pique et je fais ma bride, deux mailles en l'air de séparation. Exactement au même endroit, je pique et je fais ma deuxième bride. Donc je tourne. Donc là, nous avons terminé notre troisième rang. Pour le quatrième rang, je monte avec trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Donc ces trois mailles en l'air comptent pour la première bride de mon rang. Au centre, je vais réaliser trois brides. Une, deux et trois. Et là, je vais passer directement autour de la bride suivante. Et là, je vais simplement réaliser le même motif que pour le rang numéro 2. Donc, je passe autour. Donc, je fais mon jeté, je passe autour une fois, un jeté, je passe autour deux fois, un jeté, je passe autour trois fois, un jeté, je passe autour quatre fois, un jeté, je passe autour cinq fois. Et là, ça ne change pas. Un jeté, je passe dans deux boucles et là quatre fois dans trois boucles. Donc, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Un jeté et je passe dans les deux dernières boucles. Et là c'est très simple puisqu'en fin de compte, on va répéter exactement comme pour le deuxième rang. Sur la maille serrée à côté, eh bien je fais une bride. Et on répète. Motif suivant, eh bien je vais faire mes 5 brides sans terminer. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides au centre. Et sur la deuxième bride, mes 5 brides, sans terminer. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang.
Donc ma bride sur ma dernière maille serrée est terminée. Et là, j'arrive à la fin. Donc sur la première bride des deux, donc là on a nos trois mailles en l'air, deux mailles en l'air de séparation, une bride. Et bien là, ça ne change pas. Je fais mon motif. Deux. 3, 4 et 5. Je passe dans 2 boucles, 4 fois dans 3 boucles, 1, 2, 3 et 4 et dans 2 boucles. Je vais faire 3 brides au centre. 1, 2 et 3. Et je vais terminer mon rang par une bride, donc sur la troisième maille en l'air de départ. Donc je compte 1, 2 et 3. Je pique dans la maille et je finis avec ma bride. Donc voilà pour le quatrième rang. Je tourne. Pour le cinquième rang, je commence par lever avec une maille en l'air, exactement au même endroit, donc juste ici. Je pique et je fais une maille serrée. Deux mailles en l'air de séparation, une et deux. Sur la bride, une bride. Trois mailles en l'air, une, deux et trois, et exactement au même endroit, une bride. Donc là, on répète comme pour le premier rang. Simplement, là, on n'est pas sur les mailles en l'air, on est directement sur le motif. Deux mailles en l'air de séparation. Au centre, ici, de mes deux groupes de trois brides, une maille serrée. Et je termine par une maille serrée. Donc sur la dernière bride qui est pour ce rang des mailles en l'air. Donc ici, j'ai ma dernière bride. Juste à côté, j'ai la maille en l'air. Donc je pique à l'intérieur et je fais ma maille serrée. Donc à partir de maintenant, vous allez répéter la série de rangs que je viens de vous montrer. Donc vous allez répéter à partir du rang 2 et ensuite vous répétez le rang 2, 3 et 4. Et ensuite, ici, c'est exactement comme pour le premier rang. Donc en fin de compte, vous répétez simplement du rang 2 au rang numéro 5. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Une fois que vous avez pris la main pour réaliser ici le motif avec vos jetés, passez dans 2 boucles, puis dans 3 boucles, vous allez voir, vous prenez vite la main et il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc ce petit tutoriel est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et maintenant, comme d'habitude, je vous dis... À vous d'essayer.